ces championnats de France se déroulaient à Ancel, dans les Hautes-Alpes, au-dessus de Gap. On est trois aujourd'hui, mais on était quatre au championnat de France avec Mathis Delmas. On a terminé premier par équipe devant des coureurs de Clermont et de Grenoble. On savait que c'était des clubs vraiment avec une forte densité et qui étaient parmi les meilleurs individuellement aussi. On savait qu'on avait un collectif assez fort et qu'on pouvait rivaliser avec eux. Et c'est la première fois que dans cette catégorie cadet du coup, qu'il y avait un classement par équipe. On est très heureux que les Esclopes aient gagné ce tout premier titre. La course est partie très vite. On pouvait comparer à une course, à un départ de cross. Et on faisait un peu de plat sur à peu près 500 mètres, puis après on attaquait directement la montée. Pour remonter une piste de ski, je crois qu'on passait à 40% des endroits, pour ensuite redescendre par des petits chemins, des singles. La descente était assez technique. Les Esclopes sont réputés pour bien descendre. Ça nous a bien aidé sur ce championnat de France. On a de très bons exemples ici dans le club. On avait Didier Zago, lui par exemple, a eu plusieurs sélections en équipe de France, a participé à de nombreux championnats, des coupes, coupes du monde, championnats d'Europe, championnats du monde. Il se prépare tout l'été là-dessus parce qu'on a déjà une course, une Coupe de France qui utilise une partie du parcours de France de 2022. Et puis pour nous, c'est la continuité aussi des France de 2018. On voulait pour ces jeunes-là pouvoir réorganiser un championnat de France à la maison.